kilomètres. C'est long. C'est très long. Enfin arrivé, après 3 heures de route. Voilà. Bon, mais je coupe. Bon, mais voilà, j'ai rentré la borne. La personne, elle a pas voulu que je filme, malgré qu'on était dans son garage. Enfin, c'était un gros collectionneur de bornes d'arcade et de flippers. Il en avait énormément. Il avait une pièce dédiée. Désolé pour le bruit, mais bon, je suis à côté d'une route et c'est une horreur. Je l'ai acheté en janvier. Donc je l'ai acheté au prix de 350 euros. Elle n'était pas trop loin de chez moi, elle était à... Oh, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 130, 150 km, un truc comme ça. Mais bon, moi, je roule en T5, donc automatiquement, c'est pour... comme je suis collectionneur, c'est plus facile pour moi. Autre chose, si vous n'avez pas vu la vidéo de ma rouge, ma borne rouge, le lien est là sur la droite. Donc pour ma rouge, j'ai acheté à une personne, c'est mon ailleur. Donc je les ai payés 10 euros les 3, il m'a offert un deuxième de 10 euros, de 10 francs. Donc il y a 1 franc, 5 francs, 10 francs et 10 francs. Donc 10 euros les 4 au final, ça m'est revenu. Pour les monnayeurs, en même temps, j'ai acheté ces pièces, donc les pièces de France Meuse. Il y a un peu de tout, de toute façon, il y a des 5 francs, des 10 francs, des 50 centimes, des 1 franc, voilà, des 2 francs aussi, il y a vraiment de tout. Des 10 francs d'ailleurs, il y a les anciennes et les nouvelles, enfin, les anciens francs, ceux-là, et les nouveaux francs. Et pour cette borne, normalement en fait, bon voilà, j'avais pas prévu d'en acheter une deuxième, j'en ai que deux. Et comment expliquer ça? En fait, après la rouge, j'avais acheté cette Pandora Box. Donc je sais, c'est de la merde, pour moi c'est pratique. Parce que je l'ai payé 20,50€, donc la Pandora Box. Mais comme sur ma rouge, c'est du Neo Geo MVS. Donc la Neo Geo MVS, j'en ai acheté. Depuis que j'ai acheté la rouge, j'en ai une soixantaine. Bon, je vous mets la photo du meuble comme ça avec tous mes trucs de Neo Geo, vous voyez. Et donc sur ma rouge, j'utilise que du MVS. Et sur celle-là, ben j'ai trouvé ça plus pratique par rapport au fait que de ne pas changer à chaque fois les cartes ou quoi que ce soit. Parce que même si j'ai beaucoup de Neo Geo, ben là en fait ça me permet de sélectionner. Et puis j'ai envie de jouer à des vieux jeux. J'aime bien le Galaga, Galaxian, enfin voilà, tous les vieux jeux comme ça et tout. Et celle-là, elle est en plus, bon, elle n'est pas super propre, mais je vais la nettoyer, je vais la rénover. Donc c'est une New Game, comme vous pouvez voir. Alors c'est pas un écran rotatif, il y en a, enfin si, elle est écran rotatif mais manuel. Comment expliquer ça? Il y a ceux qui sont avec écran rotatif où c'est ouvert ici, on lève entièrement, MNS25. Donc normalement celle avec écran rotatif, enfin les... enfin, elle est aussi à écran rotatif mais bon, comment expliquer ça? En fait on les monte comme ça, il y a tout qui se monte. Et hop, sur V1, on prend l'écran et on le tourne.
Alors que celle-là, en fait, celle-là, c'est un peu plus compliqué. Celle-là, il faut ouvrir au niveau de là. Vous voyez? Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, c'est vraiment les vieux boutons à lamelles. Vous voyez? C'est vraiment les vieux boutons à lamelles. Elle est très sale. Il y a du tabac et tout. Elle est dégueulasse. Donc là, quand on fait ça, ici, on dévisse, on sort la vitre. Et une fois que la vitre est sortie, on attrape l'écran, enfin on dévisse l'écran quand même, et on le tourne manuellement. Donc en fait, c'est un calvaire sur les versions comme ça, parce qu'il faut tout démonter pour le tourner manuellement. Alors que les autres, et bien en fait, les autres, c'est automatique. On lève, c'est sur vérin, on tourne et paf. Et ben en fait, c'est celle qu'on trouve le plus, celle avec vérin. Et celle-là, on ne les voit pas tant que ça. Puis c'est des bornes, en fait, ceux-là, les New Game Instyle, vous voyez là, Instyle. New Game, c'est des bornes qui sont très demandées. Les gens, en fait, ils les recherchent parce que c'est une européenne, mais en forme japonaise, position basse avec le gabarit et tout. Enfin, voilà quoi. C'est pour ceux qui aiment les européennes comme moi, ben, c'était l'idéal parce que les japonaises sont quand même très chères pour ce que c'est. Et puis, je voulais pas que ça dénote. Comme j'avais la rouge qui est en boîte, c'est une européenne. Je voulais garder une aussi, une européenne. Désolé pour le bruit. Alors, celle-là, en fait, c'est l'édition La Rochelle. Il y a aussi des versions où il y a marqué New Game, et il y en a aussi avec la loterie. Donc la loterie, c'est plusieurs LED là qui tournent comme ça. Moi je l'ai pas, de toute façon la loterie, c'est pas grave. Mais quand ça tourne, si vous remportez le truc, si vous avez un jackpot, vous gagnez des parties gratos. Et il y en a beaucoup qui disent que ça marche une fois sur deux ou ça marche pas du tout. Je vais vous faire voir l'intérieur. Hop. Je sais pas si vous allez bien entendre. Parce que c'est vraiment le bordel. Alors je parle fort, ça résonne. Donc là, la carte, vous voyez, je fais voir, elle est câblée en JAMA par défaut. Donc ce qui est bien chez la carte du monnayeur, parce que c'est des monnayeurs électroniques qu'il y a là-dessus. Et j'ai juste à rajouter un monnayeur électronique, elle est déjà câblée. Normalement, il y en a, ils l'ont pas. Hein. Ça, vraiment tout le système et tout. Et moi, elle y est dessus. Donc ça, c'est bien parce qu'il y en a, ils l'enlèvent et tout. Et là, vous voyez, au niveau des parties, bon, on voit. Là-bas, ce qui est bien, c'est que quand on l'allume, je l'allumerai après et tout. J'ai besoin de faire un gros nettoyage dessus. On peut régler le voltage. Donc, ça, en fait, ça marque le voltage dessus. Là, c'est pour la télécommande infrarouge. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai complètement oublié de prendre ma télécommande universelle. Parce qu'on peut paramétrer télécommande universelle pour régler l'écran. Et l'écran, il faut que je le règle. On va passer derrière. Hop là. Hop. Hop là. Donc vous voyez, c'est voilà. C'est vraiment impressionnant. Là on voit, il y a une couche de poussière. C'est vraiment dangereux. J'espère que vous voyez bien. Même là. Parce que le problème qu'il y a avec la poussière, c'est conductrice, au niveau de l'électricité. Donc c'est pas bon, c'est pas bon du tout, ça abîme en plus. Donc ouais, le transfo, il est vraiment, après elle est bien équipée, moi j'aime bien, hein. Je trouve que c'est une borne sympa, hein. C'est vraiment une borne sympa. En plus voilà, c'est un écran vidéo color. Bon, c'est du 15K, mais bon, je m'en branle puisque moi j'utilise que du 15K. Donc pour ceux que, hop, je vous fais voir, hein. Voilà, quoi dire de plus que bon, je la trouve quand même propre, vous voyez. C'est une MJ25S, puisque c'est pas les avec celle que je vous disais, l'écran rotatif du truc. Donc c'est les autres, c'est les MNS25, alors que celle-là, c'est la MJ25, numéro 240. Donc c'est vraiment dans les toutes premières, et elle est très bien conservée. Vraiment, je suis content. Parce qu'à 350 € et en plus de ça, ça m'a même pas coûté 50 € de gasoil. Donc bon, on va dire 400 € en comptant le gasoil. Parce que j'ai pas pris l'autoroute en plus. C'était, je suis allé la pêcher à Angoulême. Je suis allé la chercher à Angoulême. L'autre côté, l'autocollant, il est un peu abîmé d'ailleurs. Je vais vous faire voir quand même l'autre côté. Ouais. Il manque une partie. Donc bon, je le recolorerai un petit peu, ça, c'est pas grave. Donc ici, c'est... c'est comme on peut voir, c'est piqué, mais bon, ça c'est pas trop grave parce que ça tu ponces, tu repeins, voilà quoi.
Bon. Bon, je vais nettoyer la borne et on revient. Oh, désolé pour le bruit encore quand ça va passer. Donc j'ai nettoyé vite fait. J'ai fait vraiment, j'ai dégrossi comme on peut dire. Voilà, je vais vous faire voir. Donc vous voyez, c'est un peu plus propre. Voilà, parce qu'il y avait un peu trop de poussière un peu partout. Donc là, j'ai vraiment, j'ai dégrossi. Il faudra que je le recolle ça. Bon, j'ai oublié de vous dire aussi pour la trappe noire là, c'est le cache qui va derrière. Il faut que je le refixe avec deux vis parce qu'il était collé. Et, bon, je l'ai eu comme ça, il était décollé. Bon, la Pandora Box, j'ai aussi oublié de vous dire pour ça, c'est une copie de, enfin, l'officiel c'est du chinois, mais c'est une copie des chinois, donc un chinois qui copie un chinois, voilà. L'officiel, je sais plus trop, c'est HE, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop, ils ont un logo. Mais celle-là, c'est la plus connue, et puis bon, je l'ai payé que 20,50€. 20,50€, c'était pas cher, c'était juste pour faire tourner cette bécane. Donc on va l'allumer, je vais vous faire voir là aussi. Et j'ai vraiment, j'ai dégrossi, donc là, ça c'est cool. Hein. 1 franc, 5 francs, 10 francs. J'aime bien avoir les vieilles étiquettes comme ça. Donc, l'éclairage, il fonctionne. C'est 4 petites ampoules. Parce que on les voit par derrière. Je vais pas vous le démonter là, mais j'aime bien. Au lieu d'avoir marqué New Game, avoir marqué La Rochelle comme ça, j'aime bien, c'est sympa. Donc la Pandora Box. Bon, il y a besoin du réglage, comme je vous ai dit. Le réglage de l'écran, il se fait par là. En fait, il faut prendre une télécommande universelle ou prendre une télécommande officielle, je crois. Avec une universelle, il y a un code à rentrer. Je l'ai vu sur un forum. Mais il faut que je le fasse là. Faut que j'aille chercher ma télécommande. Par contre, elle sent, elle pue. Putain, cette borne, elle pue l'électronique. Vous voyez, je vais faire. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les Pandora, vous voyez, style. On va faire. Puis l'écran est grand, 29 pouces. Après, j'ai eu l'habitude de mon petit sur la rouge. Donc, le petit sur la rouge a une bonne résolution. Et là, je sais pas trop en fait. Oui. Et ce qui est bien avec la Pandora Box, c'est comme je vous disais, il faut maintenir le bouton voilà, par défaut, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est que bon, moi, comme j'ai un slow MVS avec énormément de jeux, là, si je veux, regardez, hop, je fais Marvel Super Hero. Mince, je suis pas. Marvel versus Street Fighter. Et ça, c'est des choses que ben voilà, je peux pas avoir avec le slow MVS du Vampire Hunter, Vampire Hunter 2, voilà, du Pocket Fighter, Street Fighter Alpha, tout ça, vous voyez, c'est du Capcom et automatiquement, je peux pas Vampire Savior, je peux pas les avoir. Et ça, c'est chouette avec une Pandora Box. Autrement, il me faudrait une carte à chaque fois pour chaque jeu et tout. Et voilà, j'ai plus de 2200 jeux vidéo maintenant. Automatiquement l'arcade je le fais simplement pour le plaisir et je voulais vraiment parce que la Neo Geo j'aime bien et puis c'est pas excessivement cher les MVS faut le dire quand même parce que j'en ai quand même beaucoup et je les ai à peu près les MVS tout ce que j'ai eu je les ai eu en 3-4 mois. Alors, les soixantaines de MVS j'ai acheté pas mal de lots, les trucs comme ça et tout, j'en ai eu énormément donc c'est vrai que hop tiens l'ancien Vampire Savior. Et ça fait super plaisir quand on a des bornes comme ça. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les bornes. Bon, je m'y connais pas particulièrement comme d'autres ou qui font que ça, que ça, que ça. Je m'y connais parce que je m'y intéresse, mais voilà, on peut pas tout savoir. Après, au niveau jeu vidéo, par contre, je suis hyper calé. Ça, c'est le truc où vraiment, c'est ma passion. Enfin voilà quoi. Bon ben en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé.
Ouais. Et puis vraiment, elle sent vraiment l'électronique, ce borne. Faut vraiment que je nettoie en profondeur tout, que j'enlève la poussière et tout. Parce que c'est vraiment. Pouh! Ça. Tu mets une borne comme ça dans le salon, laisse tomber, ça t'empeste le salon en 2-2. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.